On est intervenu dans l'univers de EBG, Internet Marketing, avec deux cas pratiques. Donc un cas sur l'utilisation de QR code pour des opérations marketing et surtout des opérations marketing suivies, donc traquées, où on peut remonter les informations du flash de QR code avec Skisset pour savoir en fait qui a utilisé réellement le code en fin de compte en magasin, en station de ski à l'arrivée, ce qui nous permet de connaître l'impact d'une campagne offline sur un trafic et des ventes en ligne et ensuite des retraits en magasin. Donc c'était une première chose, c'est un peu avoir cette vision omnicanale du marketing. Et la deuxième approche, ça a été avec Menlook d'utiliser des paramètres CRM pour aller plus loin dans l'analyse d'une attribution marketing, donc savoir quels sont les leviers qui ont fonctionné pour une vente, notamment sur le site Menlook, là, dans le cas présent. Donc c'est vraiment deux retours d'expérience de nos clients et des utilisations avancées de nos technologies. Ma vision en fait sur le marché dans les 6 mois à venir, elle est assez simple. On voit vraiment une progression actuellement dans les besoins de nos clients qui jusqu'à présent avaient une volonté en fait de trouver, de collecter toute la donnée propre à leur campagne marketing en ligne. Et en fait, il y a une volonté maintenant d'unifier toutes ces données qu'ils collectent et de pouvoir les réactiver pour personnaliser et mieux cibler leur campagne. Donc ça nécessite en fait d'évoluer sur une collecte de données, une gestion de la donnée avec le terme qu'on utilise assez souvent de big data. Donc maintenant qu'ils arrivent un peu à traiter cette donnée big data, ils ont une volonté de l'activer et d'en faire quelque chose. Et donc de passer d'un marketing, on va dire de masse, à un marketing ciblé et géré par la donnée qu'on appelle data driven marketing. Alors pour moi, l'internet marketing, c'est un recueil des bonnes pratiques des acteurs du marché et une source d'inspiration pour les campagnes à venir et futures.